Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review live, encore une fois, du chapitre 476 de Fighter. Enfin, je dis encore une fois, vu que j'en ai fait un paquet la semaine dernière. Donc, ça va un petit peu continuer cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, il y en aura un petit peu moins. Et donc, voilà, avec le titre de chapitre là, encore plus déjà que j'étais chaud pour en faire une par rapport à ce qui nous avait été annoncé à la fin du chapitre précédent, à savoir donc, le sacrifice de Sheria, donc qu'elle pourrait plus manipuler de la magie. Et là, donc, le titre, ce sera c'est encore pire. Enfin, le Mashima nous dit carrément, dites adieu aux magiciennes. Donc, peut-être enfin la mort d'un personnage principal, peut-être enfin la mort de Carla, je sais que certains attendent ça avec impatience. Moi, pour ma part, voilà, je pense qu'elle aura peut-être un petit peu rôle à jouer un peu plus tard lorsque les Dragon Slayer seront réunis pour Mintaknologia. D'ailleurs, CF, ma petite vidéo théorie, si vous voulez y jeter un petit coup d'œil, je vous le mettrai le lien dans la description. Donc, sur le retour d'Aknologia, puis sur leur lien avec les Dragon Slayer. Et puis, il y a aussi, je parle un petit peu aussi de la fin de Fairy Tail. Enfin, voilà, pour moi. Et puis, il y a aussi. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, car si vous regardez la date, il y a pas mal d'éléments qu'on a appris par la suite, notamment par rapport au passé de commun, donc de Brandish et puis Lucie, donc, que j'avais pas pu prendre en compte vu que j'étais pas encore au courant au moment où j'ai fait cette vidéo théorie. Bref, on démarre directement. Alors, donc, dites adieu au magicien, et donc je crois qu'on a Happy, donc un peu en mode Robin des Bois, ouais, si c'est ça. Donc, pour le poisson, pour Carla, Happy le chat bleu s'entraîne. Alors, donc, déjà, on nous parle de Carla, page 1, est-ce que ça veut dire? Ouh là là, alors on va voir. Donc, alors, pardon, la troisième origine, donc, déclare Ultia, donc je crois qu'elle continue d'expliquer donc sa magie spéciale, donc Point Origin, je crois que ça s'appelait comme ça, donc qui lui permettait donc d'aller dans le... contrario donc de ce qu'elle faisait tout à l'heure, donc enfin ce que tout à l'heure, de ce qu'elle avait fait dans l'arc d'éclipse de reculer le temps, là ce coup-ci ça lui permet donc d'avancer le temps, donc pour pouvoir avoir une possibilité de vaincre Dimaria. Donc elle déclare donc la possibilité d'user maintenant d'un pouvoir magique que l'on n'obtiendrait que dans le futur. Cependant ensuite, en compensation, vous ne pourrez plus utiliser de magie. Donc là, elle parle au pluriel, alors que dans le chapitre présent, elle désignait seulement une seule des deux magiciennes. Enfin, en tout cas, elle ne parlait pas au pluriel, elle ne disait pas que c'était les deux. Donc, l'éther Nanos dans vos corps disparaîtra totalement et je ne pourrai et ne pourra jamais se régénérer. Waouh, donc si les deux se sacrifient, punaise, ce serait quand même assez short. Donc ouais, encore une fois, si ça se fait, Mashima va trouver une pirouette, enfin si il va pas les tuer, quoi, voilà. Enfin, il a déjà un peu cassé le suspense dans l'œuf, mais voilà, sait-on jamais. Je réalise que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, donc déclare Ultia. Toutefois, il vous sera impossible de battre cet adversaire sans la puissance de la troisième origine. Si une tierce personne intervient pour venir les protéger, j'ai bien l'impression que c'est ce qui va se passer. C'est maintenant ou jamais, donc déclare Wendy, s'il te plaît, fais-le. Donc elle parle à Ultia. Donc je savais que vous n'hésiteriez pas un seul instant, les filles, mais vous ne pouvez pas toutes deux obtenir la troisième origine. Ah, quand même. Donc l'une de vous doit se dévouer, sinon personne ne pourra sauver Carla après ce combat. Dans ce cas, laisse-moi, lui dit Wendy. Ah non, voilà, ce sera Sheria, voilà, ou Shelia, vous l'appelez comme vous voulez. Donc ça, voilà, pareil, ça nous avait été annoncé un peu dans le chapitre précédent. Enfin là, il a essayé un peu de se rattraper Mashima, de remettre un peu de suspense, mais bon, voilà, pour moi, c'était acquis que ce serait Sheria qui le ferait. Donc je le ferai, donc Wendy ne dit pas question, c'est ma responsabilité de protéger Carla, c'est pourquoi, c'est pour ça que tu dois conserver ta magie, voilà, en plus elle a une très forte magie de soin, donc c'était évident que ce serait pas Wendy qui se sacrifierait, c'est pour ça que tu dois conserver ta magie Wendy, car ton rôle est de la guérir, non? Et donc elle lui dit, voilà, bon là elle se dispute, donc Sheria, tu ne comprends pas, tu ne pourras jamais plus te servir de ta magie, c'est la même chose pour toi, ça c'est pas vrai, c'est pas faux, pardon, surtout qu'elles ont chacune deux magies très importantes et très puissantes, donc à la fois une magie de God Slayer et puis donc de Dragon Slayer, et qu'à choisir entre les deux, bah ce serait plutôt le God Slayer qui passerait à la trappe, vu que les Dragon Slayer, voilà, vont avoir un rôle, je pense, prédominant à jouer dans la chute d'Aknologia. Donc je ne suis pas venu pour te sauver, Sheria, donc... pour te sauver, Sheria, donc elle lui dit Wendy. Donc, si je ne peux pas te protéger lorsque tu en as le plus besoin, comment pourrais-je me le pardonner, lui dit Wendy. Donc, Ultia, s'il te plaît, fais-le. Tu es vraiment prête à traverser cette épreuve? Elle lui dit, si c'est pour sauver Sheria et Carla, alors oui, tu ne peux pas, Wendy, lui dit. Lui dit qui? Non, alors, attendez, ouais, c'est Sheria qui lui dit ça. Et puis donc, bah, dit Maria, on profite pour les attaquer. Épargnez-moi vos chichis d'adolescents. Allez, bim, elle a tué le suspense dans l'œuf et au moins, voilà, ça commençait un peu à me saouler aussi cette histoire. Bon, on prend une décision, quoi. Donc, elle arrive, allez, pas de temps à perdre. Donc là, elle la pousse énorme. Dites pas que c'est Wendy qui va faire un sacrifice. On y va, Wendy. Pff. Avant de terminer, enfin, ouais, ça, avant de terminer, on est à la moitié, je dirais, là. Non, même pas, page 4, punaise. Comme quoi, je croyais que ça s'était passé assez vite. Avant que quoi que ce soit ne se passe. Voilà, j'espère ne pas être déçu, mais c'est vraiment très très mal parti là. Donc, alors, ouais, bon, voilà, donc c'est. Donc, Wendy se fait toucher par la magie de Ultia, donc elle passe en mode Dragon Force. Donc, bah, Sheria qui est dégoûtée, elle pourrait faire. Ça va, je gagnerai.
Donc elle lui dit. Après, remarque, c'est peut-être une pirouette de Mashima pour si elle a plus sa magie de Dragon Slayer et que Aknologa se pointe juste après, donc au moment où s'il était venu pour la buter, bah elle a vu qu'elle a plus sa magie, il la considérera plus comme Dragon Slayer et donc ne voudra plus la tuer. Donc ce serait peut-être une petite pirouette pour éviter à Wendy de se faire tuer. Donc c'est pas si bête que ça, mais ce serait vraiment beaucoup dommage. Et puis Carla, pardon, perdrait totalement son utilité pour moi. Sauf si, voilà, après je pars très très loin, ça se trouve. Mais si, sauf si Carla lui permet de récupérer ce pouvoir de Dragon Slayer un peu plus tard. Mais ça, voilà, je pars peut-être un petit peu trop loin. Mais bon voilà, on sait jamais. Alors Sky Dragon's Claws, donc la griffe du dragon du ciel. Donc là elle est en train de la charger. Je déteste me répéter, je suis la déesse qui contrôle le temps, lui dit Di Maria. Et donc elle arrive un peu à parer ses coups. Je vais te rappeler violemment toutes les douleurs que le temps a imprégnées dans ton corps. Donc voilà, bah, par rapport à ce qu'elle lui a fait. Ah non, donc ouais, elle va servir de sa magie du temps pour l'attaquer. Donc voilà, la marque du temps, Age Scratch. Donc ça charge Wendy vraiment dans tous les sens. Vraiment une attaque très très puissante et un peu à répétition. Vraiment, on voit qu'elle crie un peu de manière constante. Ah. Enfin voilà, vraiment ça doit s'étaler sur une durée assez importante. Donc qu'est-ce que c'est? Tout mon corps tremble. Arrête Wendy, je t'en prie. Elle ne peut pas se permettre de perdre sa magie. Donc lui dit Shiria, bah, elle demande à Ultia plutôt. Donc alors, et malgré ça, je quoi? J'ai la troisième origine de mon côté. Ah, donc ouais, oui, pardon, c'est Wendy qui dit ça, donc par rapport à sa catégorie de Dragon Slayer. Vous ne comprenez toujours pas cette folie que vous avez de vous mesurer à une déesse. Donc encore une fois, lui dit Maria. Mais encore une fois, ça sert à rien, vu que Wendy va encore une fois se faire pas mal tambouriner. Punaise, en animé, ça va être assez glauque, je pense, parce que là, elle souffre vraiment le martyr. Et on voit en plus que ses fringues se déchirent un peu, encore une fois, comme ce qu'aime faire Mashima, et donc qu'il fait à travers Di Maria. Là, elle se prend carrément une sorte de petit rayon laser, voilà, un peu comme ce qu'elle avait fait avec Carla au chapitre précédent, donc Di Maria. Donc là, elle se le prend en plein genou. Donc là, ça va un peu la paralyser. Et donc, au final, ce sacrifice aura peut-être servi à rien. Et peut-être que Chiria va devoir donc se sacrifier en plus par-dessus tout ça. Parce que, ouais, dites adieu aux magiciennes au pluriel. Là, c'est peut-être les deux qui vont y passer, pourquoi? Enfin, ou les deux qui vont perdre leur magie. Donc, Wendy ne peut pas bouger. Donc, pourquoi je n'arrive pas à relâcher mon pouvoir? Donc Di Maria, bah là, qui est en train de se pointer vers elle. La troisième origine n'a pas encore été activée. Ah non, pardon, Third Origin, je disais par rapport au Dragon Slayer. Non, non, c'est par rapport à la magie que Ultia leur a donnée. Enfin, excusez-moi, j'avais pas mal interprété. Parce que dans ce cas dernier, c'était en anglais. Puis là, ils l'ont laissé. Enfin, ils l'ont mis en français. Bon, bref, parenthèse refermée. Donc transparence, au-delà de la barrière du temps, lui dit Di Maria. Et donc, alors, qu'est-ce qu'elle va lui faire? Donc je crois qu'elle est un petit peu en train de la viser à bout portant. Ah si, ouais, elle a rechargé encore une fois son petit laser. Et donc là, Wendy, enfin, on voit le rayon qui est en train de se diriger sur elle. Allez, bouge, saleté de corps, bouge. Et voilà, Sheria, je l'avais deviné. Voilà, encore une fois, bah, Sheria qui s'interpose. Donc voilà, un sacrifice de Wendy qui n'aura servi à rien, vu qu'apparemment. Alors, donc Sheria, encore une fois, lui dit Wendy, j'y suis arrivé, déclare Ultia. Et donc Sharia qui lui dit, je m'occupe du reste, Wendy, je vais lui apprendre les bonnes manières. Donc voilà, bah, le sacrifice de Wendy qui a un peu servi à rien du coup, vu qu'elle va perdre sa magie un peu bêtement. Donc à part, c'est vraiment comme si, ça reprend un peu ce que je disais, si ça lui permet d'être sauvé d'Acnologia, ça peut avoir son utilité, mais sinon, ça va être un peu laborieux tout ça. Enfin voilà, deux magies de God Slayer plus Dragon Slayer sacrifiés pour un combat comme ça, enfin, je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà, c'était un des rares atouts que l'Alliance avait, enfin, un des rares. Voilà, ça enlève tous les autres Dragon Slayer. Enfin, il y a pas. Leur magie, quand même, elle est quand même assez rare, malgré tout. Et donc, voilà, bah, on va voir quand même comment tout ça va se terminer. Donc, un, déclare Wendy. Donc, désolé d'avoir dû t'obliger à gagner du temps pour que la technique secrète puisse être lancée. Ultia? Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. La volonté de Sharia était tout aussi sincère. Et donc ne me dis pas que oui, elle s'est sacrifiée à sa place. Et donc en fait, quand elle l'a touché tout à l'heure, je pense qu'elle n'a pas été affectée, donc Wendy. Donc le combat de Fairy Tail commence à peine. Le pouvoir de Wendy sera nécessaire à partir de maintenant. Et oui, elle rejoint un peu ce que je disais donc en début de review. Il n'est pas trop tard, n'est-ce pas? Lance ta technique secrète sur moi. Et donc même si elle lui a fait rayonner son corps formateur, si elle l'a touché, elle l'a pas totalement, je pense. A totalement sacrifié. Nous combattons une déesse, augmenter mes pouvoirs reste notre plus grande chance de victoire. Et donc, ainsi, tout le monde pourra espérer voir un nouveau soleil se lever. Donne-moi la troisième origine. Impossible, encore une fois, lui dit Wendy, on est au stade final. Quelle extraordinaire sensation. Et donc là, on va voir une Sharia puissance maximale. Donc, me battre pour l'ami qui m'est cher, c'est tout ce qui compte. Oh, c'est mignon. Mais tellement prévisible, malheureusement. Quoi?
Donc bah voilà, bah, Di Maria qui n'y croit pas, qui voit pas le coup, qui voit pas le coup venir, et donc voilà, qui peut pas l'anticiper non plus, ce qui est assez surprenant. Bah du coup ça doit être ça. Ah d'accord, je crois que j'ai compris le pouvoir de la troisième origine. En fait, je crois que ça donne un temps d'avance à. Enfin voilà, peut-être pas dans les faits, mais on va dire dans son subconscient, dans le fait d'appréhender les choses, ça donne un coup d'avance à Sharia, et donc du coup, bah, elle a toujours un petit coup d'avance par rapport à Di Maria. Et du coup, cette dernière ne peut pas trop, ne peut du coup pas anticiper ses attaques. Donc un sous-homme qui ose défier une déesse, enfin une sous-femme, enfin, je m'attirais les foudres des femmes, non, mais là, il a dit un sous-homme, c'est. Orthographiquement, c'est pas possible. Enfin voilà, Sharia est une femme. Enfin moi, qu'on m'ait pas tout dit, mais ça m'étonnerait quand même. Tu es une déesse malicieuse, ça c'est sûr. Lui dit Sharia. Et donc, si tu étais une bonne divinité, tu serais bienveillante envers les humains. Oui, voilà. Après, elle dit, je suis une déesse par rapport au lien qu'elle a avec sa grand-mère. Donc, non, qu'est-ce que je dis avec sa grand-mère? Enfin, avec son ancêtre. Bref, vous m'avez compris. Donc alors c'est pour ça que ma magie existe, pour achever des dieux aussi corrompus que toi. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu faire le rapprochement, voilà, avec God Slayer, et puis donc le fait que Di Maria soit une déesse. Enfin je crois que je l'avais fait, mais pas, je l'avais pas dit dans la review. Donc magie du tueur de dieux, voilà, de God Slayer, God Slaying Magic. Donc Di Maria qui a perdu son mode God, enfin son takeover, ce n'était pas du bluff. Donc voilà, elle revient à sa forme humaine, et donc son contrôle de l'âme divine n'est pas achevé, lui dit Ultia. Et donc ah voilà, donc saleté d'humain, donc là elle a pu se retransformer, Ultia, punaise Ultia, Di Maria. Et donc Sharia qui a pu bloquer l'attaque, et donc elle lui dit impossible, ma plus puissante attaque a un enchantement. Ah non, pardon, c'est un peu la pression du scan. Non, non, c'est Di Maria qui a raté son attaque. En fait j'ai cru qu'elle était, si, elle est repassée, mais une fraction de seconde en mode takeover, enfin en mode god on va dire, en takeover god. Et donc, ah non, c'est punaise, ouais, c'est Wendy. Pendant un instant, je crois que c'était Ultia. Donc alors un enchantement, donc pour pouvoir parer la contre-attaque de punaise de Di Maria. Donc elle déclare: Sharia, alors quoi que je fasse, j'avais toujours l'air empoté. Le seul talent que je possédais, c'était la magie. Et donc grâce à elle, j'ai fait d'incroyables rencontres. Donc là, on voit tous les membres de l'Amiya Scale. C'est pour ça que j'aime la magie. Grâce à ma magie, j'ai fait de merveilleuses rencontres. Et donc on voit tous ceux qu'elle a rencontrés, qu'elle a côtoyés jusqu'à maintenant. Donc Sharia, tout restera comme avant, mais j'imagine que je serai une fille normale désormais. Donc voilà, ça y est, elle va relâcher donc tout son pouvoir, et donc elle va perdre sa magie en même temps. Ceci sera mon tout dernier sort. Espérons quand même que ça va marcher, parce que ce sera un peu nul que ça passe pas. Quoi qu'il advienne, donc déclare Wendy, je serai toujours ton ami, promis. Oh c'est bedion. Je le sais, encore une fois, lui dit Sharia, en tant que magicienne, j'ai découvert tant de choses à chérir, et c'est pourquoi. Et donc, ouh, ah ouais, alors là, franchement, ça a de la gueule, cette page. Je crois que c'est. Non, ne me dites pas que c'est la dernière page, ce serait dommage. Non, c'est la page de l'attaque. Alors, donc, double page. Amano Murakumo, punaise, je vais y arriver. Donc, vraiment, là, tout le pouvoir relâché de Sharia, donc couplé au pouvoir du First Origin. Et donc vraiment, bah, là, dit Maria qui va très certainement trépasser. Non, mon monde s'effrite. Et donc voilà, bah, ah, si son monde s'effrite, ça veut dire donc que le temps va revenir à la normale. Et donc, bah, Wendy va pas avoir des masses de temps, vu qu'il va falloir qu'elle aille soigner Carla. Donc dépêche, occupe-toi de, voilà, de Carla, encore une fois, lui dit Sharia. Donc voilà, bah, dit Maria qui est vraiment vaincue, vu que le temps reprend son cours. Et donc pareil avec les combats qui se déroulaient autour. Je crois donc Grey contre les sbires et tout le tintouin. Donc prends ça, enflure, ah, et puis voilà. Le temps reprend son cours, donc voilà, c'est confirmé. Et donc voilà, bah Wendy s'approche donc de Carla pour la soigner. T'inquiète pas, Carla, je t'administre un sort de guérison, ça va aller. Et donc voilà, bah, elle a un petit peu mal en point. Wendy, pourquoi tu pleures? Voilà, donc, bah, normal, elle n'a pas la connaissance du sacrifice qui vient d'avoir lieu. C'est donc parce que. Donc, Sharia a. Donc voilà, c'était nous qui étions censés la secourir. Alors pourquoi? Un, que se passe-t-il? Où est Ultia? Donc bah, voilà, Ultia, elle est repartie comme elle est venue. Wendy ne pleure pas, lui dit Sharia, c'est bon, elle est pas morte, là, je peux vivre sans magie. Bah oui, c'est déjà. Tu peux déjà t'estimer heureux. Donc la magie n'a rien comparé à l'amour. Bah oui, c'est sûr. Et donc oui, voilà, oui. Ouais, c'est dommage. Ah! Et ben voilà. Alors attendez, la magie est tirée de l'amour et son pouvoir doit être utilisé pour ceux que l'on aime. Quelle jeune femme forte et courageuse, si seulement mes jeunes années avaient été semblables aux leurs. Et donc oui,
On voit la Ultia vieille, donc voilà, la Ultia, on va dire, qui était réapparue dans ce chapitre-là, qui était dans punaise, qui était vraiment dans l'espace-temps de Dimaria. Donc voilà, il y avait bien deux Ultia, et donc sûrement cette deuxième Ultia a dû se créer quand la première, donc qui a vieilli par la suite, donc qui a utilisé son sort pour ramener le monde dans le temps, et donc ça lui a coûté quelques années, mais je pense que ça a dû peut-être diviser ou scinder son âme ou sa magie en deux, ou sa conscience en deux, et donc ça lui a permis donc d'envoyer cette conscience-là dans cette zone un peu spatio-temporelle, dans ce monde. Non, dans ce monde spatio-temporel, je pense qu'on peut le qualifier comme ça, le monde de Dimaria, donc ça lui a permis d'intervenir, même si là, du coup, je pense pas qu'elle pourra réintervenir, du moins sous sa forme, sous cette forme-là, mais elle existe encore, donc sous sa forme de mémé, et c'est pas impossible, donc du coup, qu'elle arrive à trouver que Mashima nous mette une petite pirouette pour qu'elle arrive à redevenir jeune. Mais bon, enfin, je trouve que c'était quand même un peu tiré par les cheveux, quand même, voilà. Enfin, voilà, pour donner le power-up, tu ramènes quelqu'un qui a été, t'es sans trop d'explications non plus, tu ramènes quelqu'un qui était censé avoir disparu, qui dans les faits a toujours disparu, enfin voilà, je trouve ça un petit peu too much, mais bon. Donc bah le chapitre se termine là-dessus, le combat se termine là-dessus, donc pareil, un combat qui n'aura pas duré très longtemps, donc bah le prochain je pense que ce sera Nainhardt qui va apparaître, donc je rappelle celui qui est dans le bateau, donc le troisième et dernier Springian qui se trouvait à Argeon, donc avec Wall-Eye, j'étais avec Dimaria, donc les deux premiers ont été vaincus. Jaehla l'a rejoint, donc oui, j'ai choisi parmi les propositions qu'on m'avait données, parce que je vous avais demandé, pour ceux qui se rappellent, quel était le surnom que vous utilisiez le plus pour Jaehla, Geralt et tout ce qui va avec. Donc c'est Jaehla qui est le plus ressorti, donc je pense que je l'appliquerai et que ça satisfera, on va dire, à peu près tout le monde. Et donc voilà, bah, je pense. Pour chaque combat, ça va se diriger là-dessus. D'ailleurs, ah ouais, juste vite fait, je revérifie le titre du chapitre. Il m'a pas marqué plus que ça. Mais ouais, je pense quand même à un Jellal Erza et puis aussi Kagura donc, contre nos chers amis, donc contre notre cher Nainhardt. Même si le titre du prochain chapitre, c'est Transport. Transport, donc peut-être un chapitre de transition, peut-être un. Transport, peut-être le voyage. Non, ça aurait plus été voyage si ça avait été technologie, un transport. Ouais, j'avoue que ça parle pas trop sur le coup, mais bon, on verra bien tout ça. Et puis bon, ça fera un peu la surprise par rapport à ça au chapitre prochain. Donc bah voilà, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. Et bah, laissez-moi aussi vous avez dans les commentaires par rapport à ce combat si ça vous a plu, si vous auriez aimé qu'un autre intervenant intervienne. Enfin, voilà, pendant un temps, j'ai cru que Brandish allait vraiment se pointer. Au final, ça s'est pas fait, mais bon, je pense que ça se fera sur un autre combat. Donc voilà, au final, ce n'est que partie remise, mais j'aurais beaucoup aimé voir cette confrontation entre les deux anciennes amies et ennemies. Voilà, parce que même si quand Brandish s'est partie des 12 Springan, elle n'était pas totalement d'accord avec Dimaria. Enfin, elles n'étaient pas ennemies non plus, mais quand même, ça aurait pu être intéressant à voir. Mais bon, voilà, je pense qu'on aura. On aura l'occasion, comme je vous dis, de la revoir un petit peu plus tard. Et donc, voilà, bah, dites-moi, vous avez dans le commentaire par rapport à tout ça. Est-ce que vous auriez aimé donc un peu plus de sacrifice? Donc, du coup, c'est vrai qu'au final, ça n'aurait pas servi à grand-chose que Wendy sacrifie sa magie. Pour Sharia, c'était hyper attendu. Enfin, voilà. Au final, ça s'est fait. Au final, elle a réussi à la vaincre. Bah, j'espère qu'elle l'a bien battue, un peu comme les autres. Comme les autres Pringan, et que du coup, elle ne reviendra pas d'ici la fin. D'ici la fin de cet arc-là, parce que sinon ce serait vraiment un sacrifice qui aurait servi complètement à rien. Et puis donc voilà, je trouve encore une fois d'en faire des caisses. Tu pourras plus jamais utiliser ta magie. Oh, elle s'est même pas sacrifiée, elle est même pas morte. Oh, voilà, encore une fois, Mashima a vraiment du mal à sacrifier ses personnages. Enfin, voilà, je suis pas le premier à le dire, je pense pas que je serai le premier à le dire. Je pense qu'on aura encore l'occasion de le dire, malheureusement, avec ce qui se passera plus tard. Mais voilà, enfin, faut arrêter d'en faire des caisses. Hein. D'accord, elle a perdu sa magie, mais elle est pas, bon, on va dire, elle est à peu près complètement inutile maintenant en tant que mage. Mais bon, il y a d'autres activités, il y a d'autres possibilités. Et puis voilà, au moins Wendy, imaginez, ça aurait été mort, ce qu'on aurait eu là. Là, elle craque déjà parce qu'elle a perdu sa magie. Ça a perdu sa magie. Oh, elle serait morte. T'aurais eu quoi? Tu serais tombé en larmes. T'aurais même pas pu sauver Carla. Donc voilà, d'un moment, faut arrêter quand même. Bref, bon, après, je sais que Mashima fait tout ça pour montrer un peu toute la tragédie, mais non. Non, pour moi ça marche pas. Je suis désolé, pourtant je suis pas un cœur de pierre, hein. Bien bien au contraire. Je suis plus un cœur d'artichaut, on va dire, par rapport à ce genre de truc. Enfin, quand il y a vraiment des sacrifices, voilà. Mais bon, enfin, ouais. Voilà, bah. On verra dans le prochain chapitre, on verra d'ici la fin de l'arc si on aura des sacrifices, enfin des vrais sacrifices, pas des pirouettes, je sacrifie ma magie, mais bon, bref. Laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça. Sur ce, je vous laisse, à la semaine prochaine, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara!